Oh, tu vois, le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Je lui ai dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. La légende de Laurence Darabé prend fin ce soir. Nous sommes partis juste à temps. Tilkissi était idiot de croire que nous allions rester après son évasion. Le canavard ne cessera plus de nous traquer maintenant. Non, en effet. Laisse-moi réfléchir. Le train viendra d'assez loin. Il fera donc un arrêt pour se ravitailler en eau et c'est là qu'on devra intervenir. D'accord. Je m'occuperai des sentinelles et je poserai des explosifs sur les rails. Et moi, je rallierai nos hommes. Quand la voie aura sauté, le train sera coincé. Donc à l'instant où tu entendras l'explosion, tu devras déclencher l'assaut. D'accord. Mais garde à l'esprit que nos hommes ne viendront peut-être pas. Il est probable qu'après le déclenchement de l'explosion, tu te retrouves toute seule. Est-ce que t'en es consciente? Mais de toute façon, je ne le saurai qu'après l'explosion. L'homme prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs.
Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait. Peut-être douce ou amère. Comment est-elle pour toi, Zara ? Mais t'as raison, pensons à l'avenir. Voyons les choses en grand. Pourquoi pas le canal de Suez ? Dis-moi. Tu t'y connais un peu en bataille navale ?